Hashtag that SMTM. ASAP Money Gang. What up, DOC? I see. Come with that Louis bag. You don't have to try hard to understand me. I'm really out here making all this money for my family. You don't have to try hard to understand me. Why feeling really happy like you want to grab me? So I did pop them away, who's it? Pop them away. Yo, yeah, Danis miss these people, you in his son is a girl. I'm a tantana panta da panta 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 panta. Ah, j'aime beaucoup la musique, ça fait. Mais ma voix, on dirait une casserole. Oh, my baby, listen to song. Oh, yeah, yeah. Hey, Ogadimi. Ogadimi, j'ai arrêté de laver pour vous. J'ai arrêté de laver pour vous. Ogadimi, attends, pardon. Fais-moi sourire. Pardon, laisse-moi quelque chose. Ogadimi. Ogadimi, je t'assure que tu es vraiment... Pardon, Ogadimi, donne-le-moi. J'ai du travail, donne-le-moi. C'est pas comme si tu en manquais. Pardon, assure-toi de laver l'autre voiture. Aucun problème, je laverai même celle qu'on n'utilise pas. Parce que... When I see to know, yeah, Istanbul so far and, yeah. And it's three string stuff, and then boosting it, it's tough, my life, my life. Vraiment désolé, Jim. Les résultats sont sortis et... Tu as un trou dans ton cœur. On t'a diagnostiqué une leucémie. Jamais mon fils ne fera ces histoires de musique. Tu n'écoutes même pas ce que j'essaye de dire. Là n'est pas la question. Et quelle est exactement la question? Donc il te faut une heure pour ouvrir la porte. T'es avec une meuf? Arrête ça, dis donc. Allez, dis-moi, tu es avec quelle fille? Il n'y a aucune fille, mon pote, je ne te mens pas. Je suis vraiment sérieux au sujet de Clara. Je t'assure. Oh. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée et... Je serais vraiment stupide de laisser une nana te gâcher. Toi? Non mais attends, mais tu viens de rencontrer cette fille? Et t'es déjà autant amoureux d'elle? Mon pote, tu ne connais vraiment rien à l'amour. L'amour nous fait faire des choix bizarres, mais... Quand tu trouves le vrai amour,
tu trouves le vrai bonheur. Monsieur l'amoureux transi. Laisse-moi, je l'aime vraiment. D'accord, je t'ai compris. Bon, qu'y a-t-il? Mec, ne flippe pas alors. Qui est mort? Je vais quitter mon boulot. Ok. Et tu sais ce que je vais te demander? Pourquoi, n'est-ce pas? Ouais, pourquoi? Ma mère. Mais elle pense que je lui appartiens. Elle veut contrôler chaque aspect de ma vie. Ce que je fais, ce que je conduis, où je vais, ce que je mets. Et j'en ai marre et fatigué de ça. Je ne rajeunis pas et je pense qu'il est grand temps que je fasse enfin ce que je veux. Ce qui me passionne vraiment. Qui est? Ma passion. La musique. T'es fou? La musique? Attends, pour toi c'est un rêve? Attends un instant. Tu veux quitter la société de ta mère pour faire de la musique? Mec, je ne vais pas te mentir, la musique est la seule chose qui me rend vraiment heureux. La seule chose qui me garde lucide dans ce monde de fou et je veux rester lucide. Donc, de tous les métiers du monde, t'as choisi la musique? Donc tu veux laisser la société de ta mère pour faire de la musique? Attends, attends. Man, t'es sûr que tu vas bien? Allez, voyons, mec. Tu as pratiquement une vie de prince. Ta mère est fortunée. Et elle a les jambes haut placées. Elle est prête à tout. Elle est prête à tout te donner. Voilà le cœur du problème. Elle veut tout me donner, mais tout cela est suivi de son emprise sur ma vie. Sur la moindre chose que je fais, mec. Et j'en ai marre. Je suis un homme. Est-ce que tu comprends? Je suis un homme. À quoi ça sert d'avoir toutes ces choses? Les voitures, l'argent, les voyages dans le monde, si je me sens inutile. Non, mais ferme-la ta gueule. L'argent répond à tout. À tout. L'argent répond à tout. L'argent achète-t-il le bonheur? Je préfère être tout triste en conduisant une Bentley que d'être tout triste en pédalant un vélo. Réfléchis, mec. N'importe quoi. Et ta mère est au courant? Mec, je le lui ai dit, oh. Elle a piqué une crise. Elle a piqué une crise et on dirait que si je m'engage dans la musique, je vais le faire sans argent. Car elle a décidé de ne plus s'occuper de moi. Dis-moi pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux souffrir? T'as pas besoin d'être aimé ainsi. Ta mère est énormément riche. Pourquoi n'arrêtes-tu pas ces histoires de musique à la con pour revenir dans ses bonnes grâces? Hein? Ou bien tu veux souffrir comme nous, comme moi? Tu penses que c'est facile pour nous, là dehors? Sais-tu combien de personnes feraient n'importe quoi pour être à ta place? Mec, ma place n'est pas enviable. Elle n'est pas enviable, je ne la souhaiterais même pas à mes ennemis en ce moment. Tu as une vie de nabab! Je préfère être planton dans un palais que d'être misérable dans un village. Ouais, je le préfère. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Mec, écoute-moi. J'ai décidé de faire la musique. Et je ne changerai pas d'avis. Thank you.
puis je l'ai détruite. Parce que jamais mon fils ne fera ces histoires de musique. Je ne te laisserai jamais choisir la musique au détriment de l'entreprise. Ça, jamais. Non, tu n'écoutes même pas ce que j'essaye de dire. Là n'est pas la question. Quelle est la question exactement? Je t'ai porté dans mon sein pendant 9 mois. Je t'ai donné la vie. Je t'ai tout donné. Donc maintenant, tu vas taire ce démon qui parle au travers de toi et laisser Dieu parler au travers de moi. Ok, donc que vas-tu me dire maintenant? Non, que vas-tu me dire? Que Dieu t'a demandé de prendre ma guitare et de la détruire? Ma, écoute, non, c'est vraiment ridicule. Ce qui est ridicule, c'est que tu refuses d'être raisonnable. Tu veux utiliser ton attitude nonchalante et ta stupidité pour détruire ce que j'ai bâti pendant des années? C'est pourquoi j'ai travaillé si dur? Jamais je ne le permettrai. Pas tant que je vis. Non, je t'en prie, écoute-moi juste s'il te plaît. Il n'y a plus rien à dire à ce sujet. Ok? Fin de la discussion. Stop. D'accord. Ogadimé, vous êtes fort, hein? Grégory, qu'y a-t-il? Ogadimé, j'ai écouté votre voix, j'admire votre façon de chanter. Vous êtes super. J'ai entendu votre voix et elle m'inspire. J'aimerais chanter un jour comme vous. Si j'avais votre voix. Grégory, bien sûr que tu peux, non? Moi, vous me confondez à une autre personne. Toi. Pardon, ne parlez pas comme ça. Dire que je peux chanter comme vous et écouter, c'est une insulte, ne m'insultez pas. Je sais ce que je vaux, pardon. Donc vous voulez me dire qu'avec ma voix de crapaud, je peux chanter comme Jackson? Pardon, pardon, ne m'insultez pas, je vous donne juste le café. Donc qui a-t-il? Que puis-je faire pour toi? Rien de grave, hein? Rien de grave. Je voulais juste vous encourager à continuer la musique. N'arrêtez pas, n'arrêtez jamais de faire la musique parce que vous avez du talent. Merci beaucoup, Grégory. Je ne comprends pas pourquoi même... Je ne comprends pas pourquoi ma mère s'oppose aussi violemment à mes chansons. Ne l'écoutez pas. Certains membres de votre famille ne croiront pas à vos rêves. Oga, écoutez, vous êtes talentueux. Vous êtes le meilleur de cette génération. Je n'ai pas encore vu un autre chanteur comme vous. Oga, vous chantez bien. Votre voix n'a pas besoin de... Elle est naturellement mélodieuse. Attends. Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Hey, non, vous savez, lorsqu'une personne fait une bonne chose, si elle ne continue pas, elle peut s'arrêter. Donc moi, j'aimerais que vous continuiez à chanter pour qu'à la fin, quand vous brillerez, je brillerai. Vous voyez? Et lorsque vous brillerez, vous aurez besoin d'un assistant pour tout gérer. Ce sera moi, cette personne. Vous comprenez que je serai le manager. Merci. Je suis fatigué de ce boulot. Je veux que tous les deux en brillent. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas t'oublier. T'inquiète. Je crois en toi. S'il te plaît, donne-moi encore une voix. Va-t'en. Très bon. Et Oga chante. Décroche. Salut bébé. Ouais bébé, quoi de neuf? Pas grand chose. Je suis allongée sur le lit, je m'ennuie. Et toi? Je vais bien, ma puce, je suis là. Écoute, tu viens grand dîner chez nous aujourd'hui à 19h. Oui, bien sûr, aucun problème. Ma mère sera là et donc tu pourras la rencontrer pour le dîner et faire une pierre déco. Ta mère? T'es vraiment sérieux qu'elle sera là aussi? Ouais, elle sera là et ne commence pas à avoir peur. Parce que ce n'est pas une vampire, ok? Elle ne te montrera pas. Ok, il n'y a pas de problème. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer quelqu'un venir te chercher vers 19h. Elle n'aime pas le retard, alors sois prête. Ne traîne pas avec vos histoires de make-up, là. Ok, c'est sans problème. Ok, à tout à l'heure. Bye. Ok. Qu'est-ce que je mets? Ok. Ouh.
Oui, ma. Non, c'est même toi. Je croyais que c'était madame, mais j'avais les appels. Elle me disait qu'il y avait un problème. Je voulais juste te demander si tu voulais que je te serve à manger maintenant. Ah, tu as la fièvre. Même tu sais que j'ai toujours faim, mais tu parviens à quitter là-bas pour venir me poser la question. Est-ce que je dois déjà te servir avec? Mon ami, va me servir à manger là-bas. C'est comment tu J'ai juste posé une simple question à Gianni. Toi, tu réfléchis là-bas comme wow. Ça va alors. Ah, ma chérie. Non, tant que tu connais le dicton qui dit qu'un homme affamé est toujours fâché. Tu comprends? Tu veux dire, un homme affamé est un homme en colère. Mais si, tu vois, tu comprends déjà. Tu vois, c'est pour cette raison que je t'aime. Tu vois, tu es intelligente, tu es sage, tu as tout. Je ne comprends même pas pourquoi tu travailles dans cette maison. C'est toi qu'on a chanté dans la chanson qui dit « Elle est en haut, elle est en bas, elle est complète. » Oh, attends, Gianni, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comprends un peu, c'est l'amour que j'ai pour toi. Tu sais que je t'aime, non, je peux tout faire, bois même l'essence. Je suis prêt à tout pour toi, je suis même prêt à te faire un chouki, 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 comme tu veux. Enlever mon béret, te donner. Enlever mon rat, te donner, peu importe ce que tu veux. Tu es malade. À cause de cela, je te donnerai juste un morceau de viande. Un seul morceau de viande? Je t'ai posé la question au début si tu avais la fièvre. N'essaye même pas. Tu veux lâcher être enterré. Si ce n'était pas le gouvernement, je t'aurais déjà donné une bonne baffe. Tu es malade. Oui, mon cœur. Oui, le chauffeur sera là d'ici 5 minutes, Maxi. Très bien. Comment sens-tu nerveuse? Ma puce, calme-toi. Je t'ai dit qu'elle sera gentille. Elle sera gentille aujourd'hui. Très bien. Je suis sûr que tu es belle. Ne sois pas bête, mon cœur. Non, elle n'est pas encore là. Elle sera là dans plus de 2 minutes. Elle n'est jamais en retard. D'accord, pas de problème. Allez, dépêche-toi de venir. Et raccroche, j'aime trop causer. Très bien. Allez, bye. Non, toi, raccroche. Pas de problème, à tout de suite. Ouais, bisous. Bye. Vous devriez mettre un bon parfum. Elle appréciera. Attends, comment tu sais avec qui je... Bonjour, chérie. Vous vous en souvenez? D'accord. Donc ça signifie que tu m'espionnais, n'est-ce pas? Ah, non, monsieur. C'est juste que vous étiez en train de parler à haute voix. À haute voix? Pardon, va te dresser la table, madame. Je parlais à haute voix. Je ne sais pas où tu as appris le français. Ah, oh, salut ma puce. Hey! Comment tu vas? Salut ma puce. Où vas-tu habiller de la sorte? J'ai un dîner. Un dîner? Mm-hmm. Avec qui? Sérieux? Jim? Bien sûr. Mmh. Et tu veux y aller seule, sans moi? En fait, je suis hyper stressée. Pourquoi? Sa mère sera présente. Cette femme, que fera-t-elle là-bas? Je n'en sais rien. Je ne comprends pas, mais je verrai. Eh bien, cette femme, j'ai entendu dire qu'elle protège son fils comme une lionne. On dirait que quelqu'un voulait dévorer son fils. Oh. Chérie, c'est exactement ça mon problème. Et si elle ne m'apprécie pas, que suis-je censée faire? Comment me comporter devant elle? Hein? Non, ne dis pas ça, d'accord? Elle va t'apprécier. Tu n'as pas stressé. Hein? T'en fais pas. Je te souhaite bonne chance. Tu as toute la chance du monde. J'espère qu'elle m'appréciera. Elle va t'apprécier. Elle n'a pas le choix. Elle me fait vraiment peur. En passant, ta robe est vraiment très belle. Très jolie. Merci. Mm-hmm. Je termine vite mon make-up avant que le chauffeur n'arrive. D'accord. Ma puce, peux-tu te calmer? Jim, essaie de m'apprécier. Pourquoi ne t'aimerait-elle pas? Tu t'es bien regardé, je veux dire, qui ne t'aimerait pas? Tu veux juste me flatter comme d'habitude. Je dis juste la vérité, je devais te calmer, d'accord? Bonsoir, maman. Tu n'es pas venue au travail aujourd'hui. J'étais obligée de faire ton travail. Et je vois que tu as survécu. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Bien, merci, madame. Et qu'a été? Madame? Apporte le vin, s'il te plaît. Jim, tu sens vraiment bon. J'aime ton parfum. Merci beaucoup. Oh, ça?
En fait, il m'a coûté 500 $. Quoi? Maman, qu'est-ce que le prix du parfum a à voir avec ce dont on parle maintenant? Oh, c'est très important. Ainsi, tu sauras que je t'aime beaucoup et que je peux tout faire pour toi. Maman. Désolée, je dois le prendre. Excusez-moi. D'accord. C'est pas vrai. En as-tu déjà parlé avec ta mère? Ou tu veux que je le fasse? Non. Non. Je n'aimerais en parler à personne, que ça reste juste entre vous et moi. Mais ce serait juste envers elle. Tu ne crois pas? Combien de temps? Combien de temps me reste-t-il à vivre? Avec des soins médicaux appropriés, si tu prends tes médicaments, tu auras un peu de temps à vivre. Sommes-nous en train de parler d'années? De mois? Juste 3 mois. Dim, tu es mourant. Jim, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu pleures, t'as les larmes aux yeux. Oh, j'ai juste mal à la tête, rien de grave. Vraiment? Ce n'est rien de grave. Jim, tu me prends vraiment pour une idiote, n'est-ce pas? J'ai dit que c'est rien de grave, juste mal de tête. Jim, ce n'est pas drôle, pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu as? Ça va aller, je t'assure, ça va. J'espère qu'on aura un merveilleux dîner ce soir. Ouais. Comment était le travail? Oui, madame. Le travail? Exigeant comme d'habitude. Oh. Alors, Oui, madame? Attends, laisse-moi te le tenir. Quel est ton nom, jeune fille? Je suis vraiment désolée, madame. Tout va bien. Je suis désolée, madame. Je pense que je devrais. Je suis sûre que tu aimerais aller à la salle de bain pour sécher ta robe. Non, je suis sûre que t'en as pas besoin. Oui. Je pense qu'elle a raison. Non, c'est bon, laisse-moi. Jim, tout va bien. Je m'en charge. Maman? Ça va? Je suis vraiment désolée pour tout ça, madame. C'est pas grave. Mieux maintenant? Oui, madame. Merci. Tu ne m'as toujours pas dit qui tu es pour mon fils. Bien, je m'appelle Clara et je suis la petite amie de Jim. Oh, je vois. Oh, ça a dû être un coup de foudre. Non, Jim est en fait très charmant. Oh. Oui, madame. Que fais-tu dans la vie? Je travaille comme agent commercial pour une compagnie d'assurance. Oh, je connais bon nombre d'entre elles. Pour laquelle travailles-tu exactement? En fait, vous savez, c'est une toute petite entreprise et vous pourriez ne pas la connaître. Mais Jim m'a promis de me trouver un meilleur boulot. Qui est ton père? Oh, il s'appelait Monsieur Andendou. Ça ne sonne même pas comme le nom d'une personne influente. C'est quoi son métier?
Eh ben, il faisait de la menuiserie avant son décès. Et ta maman? Elle était commerçante. Elle est morte juste après le décès de mon père. Oh, pauvre enfant. Enfant de pauvre. Je vous demande pardon. La ferme. Tu m'as bien entendu. Il est clair que tu n'es pas de la même catégorie que mon fils. Et je pense que tu n'es pas faite pour lui. Je suis désolée, madame, mais je ne vous comprends pas. En termes simples, reste loin de mon fils. Madame, j'aime Jim. Il m'aime aussi, donc... Tu m'as bien entendu. Ne me provoque pas, jeune fille. Vous êtes finalement de retour. Je m'apprêtais à lancer un avis de recherche car je pensais que vous êtes perdu peut-être. Oh, on bavardait juste. Très bien. Jim, je dois prendre congé maintenant. Je ne comprends pas, je suis perdu. Tu viens d'arriver et tu n'as même pas mangé. Comment peux-tu partir? Elle est certainement fatiguée et veut rentrer se reposer. Hé, hey, maman, peux-tu me permettre de parler à ma petite amie? Ça va, s'il te plaît. Jim, ça va. Laisse cette jeune fille tranquille, elle veut rentrer chez elle. Maman, son nom c'est Clara. Bébé, s'il te plaît, peux-tu t'asseoir? Merci. Ça ira. Merci beaucoup. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bébé, assieds-toi. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui... Clara. Maman, qu'as-tu... Clara! Maman? Maman, qu'as-tu fait cette fois? Te ramener sur le droit chemin. N'est-ce pas? Clara, t'es de retour? C'est vite? Oui, je suis rentrée. Eh bien, c'était une superbe soirée. Raconte-moi tout dans les moindres détails. Ha. Bah, leur maison est très belle. Mm-hmm. On a dîné. Mm-hmm. Bu du vin rouge. Oh. Et sa mère a été très gentille avec moi. Je te l'ai bien dit. Je t'ai dit qu'elle allait t'aimer, n'est-ce pas? Je me suis vraiment bien amusée. Regarde-toi, tu as l'air si contente. N'en parlons pas de ton sourire. Je sais. Vas-y, donne-moi plus de détails. Non. Oh mon Dieu. Clara. Clara, décroche. Clara, s'il te plaît, décroche juste. Décroche! C'est Jim qui appelle. Je sais. Depuis que tu es entrée dans cette chambre, tu étais toute rayonnante et joyeuse, et maintenant, regarde-toi, tu as l'air si triste. Amanda, j'ai menti, d'accord? Menti à quel sujet? Laisse tomber. Il ne fait qu'appeler avec insistance. J'espère que tu sais qu'il appellera ensuite. Ne décroche pas. Amanda, décroche! Décroche. Amanda, ne décroche pas cet appel. Clara. Que s'est-il réellement passé?
En fait, je t'ai menti et c'est sa mère qui a tout gâché. Que veux-tu dire? Oui, elle m'a piégée, du moins elle m'a acculée dans un coin, sans préavis. Elle s'est mise à me traiter de tous les noms, me demandant de rester loin de son fils, me traitant de pauvre et autre. J'en étais sûre. Et Jim est-il au courant? Non, pas du tout. Et j'ai l'impression qu'il y a autre chose qu'il ne voudrait pas que je sache. Je n'aime pas cette fille. D'accord, maman. Ok. C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise, maman? Tu veux que je dise blablabla, blablabla, blablabla et me disputer avec toi? Maman, je ne le ferai pas. Il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Allez, maman. Nous savons tous que tout tourne toujours autour de toi. Tu m'as dit que tu ne l'aimais pas et tu veux automatiquement que je la déteste, n'est-ce pas? Depuis quand la connais-tu? Son nom, c'est Clara. Je m'en fiche. Ai-je l'air de vouloir connaître son nom? Ça ne m'intéresse pas. Depuis combien de temps la connais-tu? Écoute, maman. Je la connais depuis 3 mois et... pour dire vrai, ça a été les plus beaux 3 mois de ma vie. Elle n'est pas l'une de tes filles ordinaires de Lagos. Écoute, je suis ta mère et j'ai beaucoup d'expérience. Et crois-moi lorsque je te dis que cette fille est une croqueuse de diamants. Comment peux-tu dire que c'est une croqueuse de diamants alors que tu ne l'as vue que pendant que quoi? 30 minutes juste une fois et automatiquement, c'est une croqueuse de diamants. Hein? Cette seule fois a été suffisante pour la cerner. Mais tu sais quoi? Maman, je ne peux pas me disputer avec toi maintenant, d'accord? Donc je vais te partir. Où vas-tu? Réparer le mal que tu as causé hier soir. Souhaite-moi bonne chance. Jimmy, Jimmy! Quoi de neuf? Donc tu ne préviens plus avant de venir chez moi? Moi? T'as payé? T'es fou? Allez, entrons. Mec, arrête, pas besoin. Restons dehors. Asseyons-nous là-bas, pardon. Écoute, mec, tu dois te reprendre. Que se passe-t-il? Cette femme veut me rendre fou. Écoute, mon pote, cette femme veut me rendre fou. Peux-tu imaginer qu'elle a demandé à Clara de ne plus me parler? Elle lui a interdit de s'approcher de moi. Qui? Ta mère? Oui, non. Mais pourquoi? J'en sais rien. Écoute, elle devrait comprendre que je ne suis plus un enfant. Hmm? Je ne suis plus le petit Jim qui courait partout il y a des années. Mon pote, calme-toi. Peut-être qu'elle ne veut que ton bien après tout. Elle ne veut que mon bien. Mon bien, c'est pour cela qu'elle a détruit ma guitare? Hein? Elle veut mon bien, voilà pourquoi elle a dit à Clara, la fille que j'aime, de rester loin de moi. Et qu'en est-il de ce que je veux? Jackson, qu'en est-il de mes sentiments? Mais calme-toi, ok? Calme-toi, c'est rien, ça va passer. En parlant de Clara, comment vont les choses entre vous? Tout allait bien jusqu'à hier soir et maintenant elle ne décroche plus mes appels. Ah, oh, donc c'est pour une femme que tu veux pleurer? Non mais calme-toi mon pote, oh! T'en fais pas, je lui parlerai pour toi. Vraiment? Ouais. Mec, s'il te plaît, fais-lui bien comprendre que ma mère est folle. À cause d'une femme qui insulte le nom de ta mère. C'est faux alors. Jimmy, Jimmy. Écoute, tu dois te calmer. Lui as-tu? Yo mec, tu vas bien? Non. Lui as-tu déjà dit? Non. Tu dois lui dire. Mec, ça ne changera rien au fait que... je n'ai plus que 2 mois à vivre. Hé, hey, mec, les jours passent vite. Je suis mourant. C'est une raison suffisante pour le dire. Mon pote, ça la tuerait. Ça la tuerait, vraiment. Le fait que son monde,
ses relations, son argent ne puissent pas sauver la vie de son fils unique, je ne pense pas qu'elle le prendrait bien. Et comment va la musique? Ouais, la musique. J'ai rencontré un producteur et il a dit qu'il avait quelques beats pour moi, que je devrais aller écouter. Donc, on va aller au studio et... Jirajan, tu connais. Tu sais que tu m'étonnes, en fait. Pourquoi la musique? Genre, pourquoi? Mec, arrête. Tu veux bien soutenir ton meilleur ami ou bien tu vas le décourager? Te soutenir, toujours. Te soutenir, le club des supporters. Écoute. Si je te gifle, un malade t'as déjà giflé? Et sèche d'alcool, lui aussi. Je dois y aller. Aller où? Au studio. Au studio? Ouais, c'est ça, dépose-moi au carrefour. Et toi, t'as calé dans tu ton fameux studio. Ah, Oga, tu n'as pas fini depuis là. Qu'est-ce que tu fous, même? Hey! Hey! Fine, fine girl, don't come my way. Yabé! Oh, yeah, see the one I want to. Girl, you know, Fine, fine girl, don't come my way. Hey! I don't even want loving you. Adjani, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que quoi? Tu ne vas pas qu'elle chante pour toi. Et alors? Est-ce que ça réduit le prix du manioc au marché? Bah, s'il te plaît, arrête! À chaque fois que tu me vois, c'est comme ça que ta bouche la s'ouvre comme une porte qui n'avait pas de cadenas. C'est quoi cette réaction? Que je chante alors pour qui? Ah, Adjani, moi? Tu n'es même pas contente que moi, Adjani Ojo, officier de rang supérieur, le seul qui tue les moustiques avec ses mains. Des moustiques, aucun n'échappe. Il t'aime et tu refuses. Je vois que tu es fou. Je suis fou d'amour, non? Viens ah, pardon, là. Que ce soit sous la pluie ou encore sous le soleil, je le chante. Je donnerai ma vie pour toi. Je vois que tu n'as rien d'autre à faire. Mais je ne te ferai pas ce plaisir. Tu vois qu'il pleut. Reste là et poireaute bien. Viens là. Toi et ton gros français, là, je ne sais même pas ce que tu as vu dans le gros français. Le gros français, ce n'est pas mon truc, mais je fais du mieux que je peux. Laisse-moi au moins chanter pour toi, que tu puisses aussi m'aimer comme mon gars Jim. Ah, que dis-tu? Fais-tu me créer des ennuis? Des ennuis. Toi qui es déjà assise dans les ennuis, tu manges, tu bouffes dans les problèmes. Et tu oses me dire qu'elle va te créer des ennuis. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qu'elle veut dire. C'est moi qui devrais te demander, non? Ne sais-tu pas la façon dont tu regardes souvent au gars à chaque fois qu'il chante? Tu fermes tes yeux comme ça. Tais-toi, est-ce que tu veux qu'on me vire? Ah, t'es viré. Je croyais que tu avais déjà trouvé un autre boulot ailleurs. Mais c'est la façon dont tu te comportes. Tu sais que madame mange les bouteilles cassables. Tu es toujours derrière au gars Jim Jar, collé, par choc sur par choc. Ah! J'apprécie. Non, j'aime. J'aime sa manière de chanter. Mmh. Si apaisant, si émouvant, si puissant. Que du blabla. J'ai avec les bêtises qui chantent là. Moi, qui te manque l'amour. Tu refuses de m'aimer en retour. Tu convoites un homme qui n'aimait pas au courant de toi. Tu oublies que si madame t'attrape derrière son fils, elle va seulement te découper. Tu es là à dire je l'aime. Quand tu veux, non? Où est mon j'ai une marmite au feu. Je peux pas rester là à bavarder avec toi. Ah, j'ai encore une chanson pour toi. Regarde là, si je t'attrape. Ah! Every time I think about it, I just don't know what to do. And I don't know a lot of things, but I know I'm in love with you. I love my music. Oh, and I don't know what to do. I love my music. And I don't know what to do. And I be sitting in the corner waiting for a beat. I hear the beat and I start to spit. I don't know about you, but I don't know what to do. I love my music. Oh, and I don't know what to do. Allez. Putain, mais tu déchires, mec. Mec, vas-y, dis-moi. Mec, crois-moi, franchement, tu déchires grave. Grave. Oh. Mec, ce son est une bombe. Dis-moi la vérité, ne me flatte pas. Non, putain, crois-moi, mec, c'est vrai. Ce son, c'est... Je vais te dire un truc. Mec. On doit la mettre dans notre démo, tu vois un peu? D'accord, faisons ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on passe dans des émissions, mec. Mec, j'ai vraiment... Je vais présenter à des stars. J'ai vraiment hâte. Écoute. Mec, t'es trop fort. Tu déchires. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Écoute, tu sais quoi? Espèce tard, tu vois? Je vais arranger le reste de la chanson, d'accord? Ok? Je m'en vais, donne-moi un jour, je t'en prie.
Écoute, je vais mixer et masteriser le son cette nuit, tu vois? Cette nuit? Mais je t'appelle, t'en fais pas. Aussitôt que je t'aime, je t'appelle. Poto! Je t'aime, mec! Je t'appelle. Ok, d'accord, au revoir. And I don't know what to do. Bébé, tu dois te calmer, hein? Calme-toi. Comment puis-je me calmer? Comment puis-je me calmer quand toute ma vie est sens dessus-dessous? Nous nous disputons constamment, ma mère et moi. J'ai démissionné. Tu as fait quoi? Pourquoi? J'en avais marre de travailler avec ma mère. Cette femme veut sans cesse contrôler toute ma vie et en réalité, j'en ai marre. Jim, tu as réfléchi? Comment vais-je suivre désormais? Comment vais-je prendre soin de moi vu que tu as démissionné de ton job? Bébé, ça sera dur. Je sais que ça semble difficile maintenant, mais j'ai un plan. D'accord? Je vais me donner corps et âme à la musique et... De la musique? Mais tu t'entends parler? Tu laisses le travail de l'entreprise de ta mère pour faire de la musique? C'est exactement ça mon problème. C'est l'entreprise de ma mère. Et l'entreprise de ma mère n'est pas mon entreprise. Je veux avoir quelque chose qui soit à moi. Elle est au courant? Oui. C'est là la source de toutes nos disputes et toutes nos querelles. Jim, te souviens-tu que tu m'as assuré de m'obtenir un boulot dans l'entreprise de ta mère? Comment cela va-t-il se passer maintenant que... Écoute, tu as démissionné de chez elle? Écoute, Bé, d'accord? Laisse-moi t'expliquer quelque chose, ok? Je sais que ça sera un peu difficile maintenant, mais je trouverai une solution. Je fais... Tu sais quoi? Je ne veux pas avoir cette discussion avec toi, bébé, maintenant. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, madame, j'ai besoin de votre aide, madame. Ma mère est malade et hospitalisée et elle a besoin des frais médicaux et j'ai pas assez d'argent pour payer les factures. Et alors? J'espérais que vous pourriez m'aider, madame. Ai-je l'aide d'une personne qui fait des œuvres de charité? Non, madame. Je ne te paye pas ton salaire? Si, madame. Sors d'ici. S'il vous plaît, madame, je vous en supplie pour l'amour. Jésus, sors d'ici! Dehors! Ekaete. Monsieur. Ekaete, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, monsieur. Ai-je l'air d'un idiot? J'ai demandé ce qui ne va pas. Ma mère est mourante, monsieur. Et je n'ai pas d'argent pour payer les frais médicaux. Mourante? D'accord, alors, combien te faut-il pour régler toutes ces factures? 300 000 naira, monsieur. Quand dois-tu donner cette somme? Demain, monsieur. Ça va, ça va. Arrête de pleurer. Viens, viens. Arrête de pleurer. D'accord? Je m'en charge. D'accord? Oui, je m'en charge. Que Dieu vous bénisse, lève-toi, monsieur. Lève-toi. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, lève-toi. Je m'en charge. D'accord? Merci du fond du cœur, monsieur. C'est bon. Elle ira bien. Amen. Mais attends, as-tu parlé avec ma mère? Je l'ai fait, monsieur, mais elle a refusé de m'aider. Tu lui as dit que ta mère est mourante. Très bien. Essuie tes larmes, ok? Essuie tes larmes. Et va terminer ce que tu es en train de faire. Merci, monsieur.
Même avec tout l'argent du monde, je ne peux pas me sauver. Mais avec cet argent, je peux sauver la vie de quelqu'un d'autre. La vie n'est-elle pas ironique? Ikaïté! 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 Qu'y a-t-il? Oh, hey, Ikaïté! Pourquoi hurles-tu comme si elle avait fait quelque chose de mal? Elle a fait quelque chose de mal. Cette fille est une voleuse. Elle a volé mon argent. Elle est allée s'occuper de sa maman malade. Et elle n'a pas volé ton argent. D'accord? Je l'ai pris. Il traînait négligemment et je l'ai pris. Que dis-tu de ça? Tu as fait quoi? Tu es entré dans ma chambre? Tu as pris mon argent? Et tu ouvres ta sale bouche? Pour me dire que j'ai laissé mon argent négligemment dans ma propre chambre? Juste parce que tu veux donner mon argent à une sale et pauvre servante? Tu m'as giflé. Tu m'as giflé parce que j'ai pris ta monnaie pour aider à sauver la vie d'une personne. Et je le referai encore et encore. Parce que je n'ai pas bâti mon empire en faisant des œuvres caritatives. Qui es-tu? Qui es-tu? Cette fille t'a servi avec diligence pendant des années. Mais toi, tu lui tournes le dos quand elle te dit que sa mère est mourante! Ok, d'accord. Je l'ai employée. Et je vais la renvoyer. Oh, maman, ne te dérange pas pour ça! Je savais déjà que tu allais le faire et je lui ai dit de ne même pas revenir. Qu'en dis-tu? Oh, d'accord. Bien. Et j'espère que nos chemins ne se croiseront plus jamais! Plus jamais! Je l'espère aussi. Sache juste que pendant que tu te fâches à cause de 300 000 naira, tu devrais te rappeler qu'il y a des gens qui ont des millions sans pouvoir sauver leur vie. Mets-toi cela dans le crâne. Ok. J'espère bien. Allô? C'est quoi l'adresse? Je suis sa mère. Donnez-moi juste l'adresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas quoi faire. Qui a-t-il? Pourquoi Nkem me fait une chose pareille? Qui est Nkem? Nkem m'a... Elle m'a... Nkem m'aime... Hé, tu me casses les oreilles là! Qui est Nkem? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Si vous saviez ce qui m'arrive, vous pleureriez avec moi. Vous pleureriez avec moi. Nkem à qui j'ai tendu ma vie, hein. Voilà comment elle me récompense. Hein. Ce n'est pas juste. Non, je n'arrive plus à pleurer, mes mâchoires me font très mal. Mais je suis vraiment très triste. Attends, laisse-moi deviner. Une fille a brisé ton cœur. Non, mon cœur est trop dur pour être brisé. Ce qui est arrivé est pire, Nkem. Nkem, laisse-moi te dire, on me fait croire que... Elle est... Elle est femme. Et qui est Nkem? Que s'est-il passé? Et tu sais, Nkem, c'est ma femme, non? Ah, ta femme? Oui. Quand es-tu marié? Oui, je suis marié. Je me suis marié récemment en secret. C'est difficile à expliquer, tu comprends?
Très bien. Arrête de pleurer. Toi et moi, je regrette vraiment de m'être marié. Je vous assure qu'elle m'a Très bien. Arrête de pleurer. Peu importe le problème, on peut trouver une solution. Elle a couché avec un autre homme? Coucher avec... Elle peut essayer. Elle ne ferait pas une chose pareille. Je tuerais son amant. Mais ça aurait été mieux si elle avait couché avec un autre homme. J'aurais préféré. Je ne serais pas dans ce genre de problème maintenant. Regarde comment les larmes coulent de mes yeux. Un homme fort comme moi, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Que s'est-il passé? Inkem, c'est ma femme du village. Je l'ai prise au village, vous comprenez? Mais comme je suis séduisant, j'ai une copine ici, mais ce n'est qu'une maîtresse, vous comprenez? Mais celle du village, elle m'a complètement fini. Complètement. Ma femme, je te l'avais dit, ma femme était enceinte, ma femme. Ma femme a accouché 3 enfants. Félicitations. Pourquoi? Félicitations. Je ne suis pas content. Pourquoi me féliciter? Je vous dis que ma femme a accouché de 3 enfants. Vous me félicitez. Si je vous disais que des bandits ont cambriolé ma maison, vous devriez toujours me féliciter. Non. Je suis dépassé. 3 enfants. Je vais démissionner, vous comprenez donc? C'est la dernière fois que vous me voyez. Parce que comme vous me voyez là, demain vous ne verrez personne. Vraiment, Grégory, tu es la personne la plus théâtrale que j'ai rencontrée de toute ma vie. Sais-tu à quel point madame serait fâchée si elle apprenait la raison pour laquelle tu pleures? Je ne voulais pas pleurer, mais c'est la situation dans laquelle je suis. Baisse la voix. C'est la situation dans laquelle je suis qui me fait pleurer comme ça. Mais écoute, je vais partir maintenant. Je vais faire mes bagages, je vais aller au village. Je ne peux plus rester ici, je vais repartir au village. Mais le problème qui me dérange, je dois partir. Bien, tu sais ce qu'on va faire? Je t'enverrai quelque chose. Tu as toujours le même numéro? Oui, mon téléphone est chez moi. C'est chez moi. D'accord, je t'enverrai quelque chose. J'expliquerai à madame plus tard. Ok, vous savez que je suis fini. Hein? Elle est dangereuse. Je sais. Elle est dangereuse. Je ne sais pas pourquoi cette femme m'a fait ça, mais elle m'a fini, vous comprenez? Je comprends. J'aurais dû faire mon planning familial. Je comprends. Envoie-moi ton numéro de téléphone que je l'enregistre à nouveau. D'accord. Et si tu es un garçon, assure-toi de l'appeler Jim. Ah ouais. Bonjour madame. Vous devez être la mère de Jim. J'imagine. Donc c'est vous qui détournez mon fils? Je vous demande pardon. La ferme. Mon nom est Patricia Adams. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Madame Adams? La vraie Madame Adams? La nabab du pétrole? Désolé, madame, je... Voulez-vous vous asseoir? Dites votre prix. Je ne comprends pas. Je ne veux plus vous voir traîner avec mon fils. Je ne veux pas qu'il travaille pour vous. Je ne veux pas que vous travailliez pour lui. Écoutez, je vais vous dire un truc, madame. Jim est un grand chanteur. Et il est l'un des meilleurs avec lesquels j'ai travaillé. Depuis combien de temps faites-vous ceci? Environ 10 ans. Et je compte pas m'arrêter là. 10 bonnes années? Et plus encore. Et vous avez uniquement ce studio pour le faire. Faites-vous aussi des films? Non, j'en fais pas. Vous n'en faites pas? Aucun musicien ne réussit, sauf s'il fait du cinéma. Et je ne permettrai jamais à mon fils de faire cela. C'est pas vrai. C'est faux, madame. Écoutez, Jim a un empire à diriger. Mon empire. Je ne veux pas qu'il fasse ces histoires de musique. Donc, combien voulez-vous? Ah ah. Allez! Mais pourquoi ce gars aime toujours faire ce genre de choses?
Allez. Adjani, où as-tu trouvé cette guitare? Oga, dans l'arrière-cour, non? C'était posé là-bas. Où exactement? Là-bas au coin, non? À côté de la poubelle, là, non? Comme c'était une vieille guitare, là. Je ne savais même pas qu'on l'utilisait encore. J'étais étonné de la trouver là-bas. Tais-toi. Donne-moi ma guitare. Mais c'est la mienne. Si je te jure, j'ai dit, donne-moi ma guitare. Calmez-vous, non? Je ne savais pas qu'on l'utilisait encore. Ah. Il semblerait que vous vous amusiez avec moi dans cette maison. Quoi? Ouvre-moi ce foutu portail. Mais bon, c'est moi qui l'ai retrouvé. Non, motive-moi avec quelque chose. Dis alors merci. Drago. Drago. Hey mec. Ça c'est quoi? Drago, pourquoi tu ne prends pas mes appels? Voilà, écoute, j'étais très occupé, mec. Je ne comprends pas, Drago. Tu étais trop occupé pour moi. Écoute. Écoute, j'ai pas envie de me retrouver opposé aux grands et aux puissants, tu vois. Les grands et les puissants. Mec, qu'est-ce que tu racontes? Mec, qu'est-ce qui... Attends. Ma mère était ici. Ouais. Mec, ça craint, tu vois, faudrait qu'on arrête tout. C'est sérieux. Tiens la maquette. Drago. Drago, nous avions un plan. Drago, tu le regretteras. Mec, je suis désolé. Drago, tu le regretteras, je t'assure. Drago. Tu me dis. Écoute, mec. Désolé, mec. Désolé, mec. Don't care about the struggles. No matter how heavy the rain, the sun will shine again. With no one believing in me, I stay believing in me. I'm holding on to my dreams. Screw all these people I care. What my people seem to say about me, and I don't care. I believe in the future, I believe it's true. I believe in everything that I went through, my brother. I believe in the future, I believe it's good to best believe in better days. I believe in you, my brother, my friend, my father, my lover. Yeah, yeah, my mother, my friend, my sister, my lover. Oh, oh. I've seen the good and bad and the ugly. I've been the good and bad and the ugly. I'm in the hood, man, I'm mad like I'm hungry. Feeling like I should get a hood and an axe for the rubber. Yeah. I've been in moods that had no recovery. I've been in shoes, really shoes that had no discovery. To their solutions in lands of their solution. I found myself stuck in them little really. I became an actor funny forward. But I kept them for D'où est-ce que tu viens? Je reviens d'un spectacle. D'où viens-tu? Donc tu utilises maintenant les armes pour faire de la musique? Assieds-toi. Maman, s'il te plaît, je suis fatigué. Je veux juste dormir. Nous devons discuter. Assieds-toi. T'ai-je déjà dit comment ton père est mort? Ouais, tu as dit que était mort dans un accident de voiture. Non, ce n'est pas le cas. Il a été abattu. Attends, je ne comprends pas. Il a été abattu par qui? La police. Cela n'a pas de sens. Qu'avait-il fait?
d'où viens-tu? Hé, hey, bébé. J'étais au studio toute la nuit. Je suis crevé, tu peux même pas imaginer combien je suis fatigué. Oh, tu es magnifique. Comment va mon bébé? Je t'ai gardé. Regarde ce que je t'ai ramené. Regarde ce que je t'ai gardé. Tadam! C'est beau. Oh, je savais que tu aimerais. Je l'espérais en tout cas. J'aime bien. Yep, yep, yep. Spécialement pour toi. Allez. J'aime bien, mais... Bébé, c'est quoi le problème? John, je n'aime pas ça. Mais voyons, tu ne l'as même pas ouvert, bébé. Si tu l'ouvres, tu vas certainement... Tu sais de quoi je veux parler. La façon dont tu t'es procuré ceci. Ah, ok, ok. John, écoute. Bébé. Tu en as assez fait. C'est vrai, nous ne sommes pas riches, mais nous sommes à l'aise. John, s'il te plaît. J'aimerais que tu arrêtes ça. Au moins pour notre bébé. S'il te plaît. D'accord, je te le promets. J'arrêterai. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Ok? S'il te plaît. Juste un peu de temps, un tout petit peu. J'arrêterai, promis, ok? Maintenant, devine ce que je faisais au studio toute la nuit, bébé. Oh, bébé, je te jure, je l'ai fait 4 fois. J'ai pris la guitare et j'ai composé une magnifique chanson pour notre petit garçon. Allez, non, écoute. C'est une fille. Oh, mon Dieu, bébé, c'est un garçon. Nous avons besoin d'un soldat dans cette maison. C'est une fille. Bon, c'est bon, tu as gagné. C'est une petite princesse. J'ai donc fait une chanson pour notre bébé. Bébé. Je sais que tu ressembles à ta maman, mais tu seras maligne comme ton papa. Ne fais pas cette tête-là, hey, ça c'est mon couplet personnel. Tu n'es pas sérieux. Hey, non, oui, sérieux. Attends. Ton téléphone sonne. Vas-y, décroche. James. Décroche. Ok. Johnny, comment vas-tu? Allez, vas-y, augmente le volume. Hey, quoi de neuf, mon pote? Ça va? Johnny, il y a un problème. C'est quoi le problème? L'égard sur qui tu as livré la marchandise la nuit dernière, le boss demande que je te dise à toi et à Michael d'aller leur livrer leur marchandise sur le champ. J'ai chargé toutes les armes et les balles dans la voiture pour que tu ailles leur livrer. Hey, mec, c'est bon, mec. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Pourquoi tu dis ça, mec? Hein? Putain de merde, mec, tu viens de m'exposer devant ma femme. Tu sais pas que le téléphone est sur haut-parleur? Pourquoi tu as d'abord mis le téléphone sur haut-parleur? Je pouvais pas savoir, mec, écoute. Bon, laissons tomber tout ça. C'est bon. Bon, par rapport à ce que tu disais là, je veux que tu te rassures que les armes sont bonnes. Pas la ferraille que Richard m'avait donnée le jour où la police a failli m'abattre. J'ai une femme ici à la maison et elle est enceinte, est-ce que tu comprends? Rassure-toi que les armes soient bonnes et prêtes à les jouer. Je sais, tout est déjà prêt. Oui, bientôt, je me mets en route. Dépêche-toi, on t'attend. D'accord, mec, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Oh, bébé. Oh. Depuis combien de temps est-ce que tu es placé là? Donc tu utilises maintenant les armes pour faire de la musique? Oh bébé, c'est juste une façon de parler. Mon ami et moi, on doit se préparer pour un spectacle et c'est justement pour ça qu'il m'a appelé. C'est John Oladide Adams. Mais bébé, il faut me croire. Ah. Et depuis quand vas-tu dans tes spectacles sans ta guitare? Voyons bébé, il y a toujours une première fois à tout. Ah. Je ne sais pas où tu es en train de te rendre, mais tu sais que c'est une chose dont je ne serais pas fier. Bébé, cela va changer notre vie et ce sera magnifique. Je t'aime, ok? Allô, mec? Je serai bientôt là, ok? D'accord, mec. À tout de suite.
Avance. Doucement, Mick. As-tu vérifié la marchandise? Tout y est, boss. Même la drogue? Oui. Affaire réglée, Mick. C'est bien. Ouais. Vous pouvez partir. Affaire réglée. Oui, affaire réglée, vous pouvez partir. Et l'argent? Oh, ça? Ouais, bien sûr. Eh bien, mon cher ami, il y a un changement de plan. T'es sérieux? Donc, j'épargne vos vies. Je vous laisse partir. Voyons, mec, je sais que je peux pas laisser mes produits sans avoir l'argent. Eh, hey, doucement, mec, doucement, calmez-vous, les gars, s'il vous plaît. Eh, hey, doucement. Dégage, va-t'en. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vous jure que j'ai une femme enceinte, je peux pas laisser les produits. Écoute, je ne peux pas partir bouge, sans avoir l'argent. Camp. Mec, je peux pas laisser ma marchandise, j'ai besoin de cet argent, s'il te plaît. Oh, la police. Boss, qui sont-ils? Qui vous a permis d'entrer sur mon territoire? Hein? Mais je ne suis pas mon père, maman. Mais tu es son fils. Et je ne veux pas que la même chose t'arrive. Maman, je suis désolé de ce qui arrive à papa. Mais je ne suis pas mon père. Je suis Jim. Et en tant qu'homme, il arrive un moment dans la vie où on doit assumer les responsabilités de nos actes. Et j'ai pris ma décision. Bonne nuit. As-tu eu des nouvelles de Jackson récemment? Oui. Il m'a appelé hier. Je dois aller rencontrer la mère de Jim plus tard. Oh, c'est bien. J'ai discuté avec un ami à moi aujourd'hui. Donc, il s'y connaît sur l'obtention des visas. Donc, immédiatement que tu as l'argent, nous sommes hors du pays. Amanda, ne penses-tu pas que c'est mal? Que c'est vraiment une très mauvaise décision? C'est ce qu'on appelle survivre. Parfois dans la vie, il faut prendre ton destin à deux mains pour arriver à ta destination. Peu importe qui sort blessé en cours de route, ok? Oh. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment que Jackson va nous poursuivre. Nous serons déjà très loin quand il réalisera réellement ce qui lui est arrivé. Il mérite vraiment ce qui lui arrive, en fait. C'est un traître et il ne mérite d'être l'ami de personne. En ce qui me concerne, je me vois déjà à l'étranger. Et j'ai vraiment hâte d'être dans le pays des Blancs. Quand on y arrivera, je vais essayer de trouver un homme avec qui fonder une bonne famille. J'aime cet esprit. Aucun regret, ma puce. Ha. Mais je rêve, Monsieur Dimi. Je n'arrive pas à le croire. Oh mon Dieu. Comment tu vas? Je vais bien. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et que faites-vous dans les rues de Lagos? Je me débrouille. Et toi? Waouh. À qui est cette voiture? Ah, c'est ma voiture. Dieu est bon. Je ne comprends pas. Après que je sois partie de la maison de madame, j'ai trouvé un travail de cadre à Chevron. Et depuis ce temps, Dieu continue de me bénir. Très content pour toi. Merci. Maintenant, parlons de vous, s'il vous plaît. Comment se porte votre carrière musicale? Ma guitare et moi sommes... Super. Ok. Avez-vous entendu parler de Zodiac? Comment ça? Tu me demandes si j'ai entendu parler de Zodiac. Zodiac, le producteur. Oui. Alors, par coïncidence, nous sommes dans la même église. Et juste la semaine qui est passée, je lui ai parlé de vous. Et il aimerait vous rencontrer. Ne te moque pas de moi. Je suis sérieuse. Il veut vraiment vous rencontrer. Nous sommes dans la même église. Ben, laissez-moi vous écrire son adresse quelque part. Comme ça, vous pourrez le rencontrer soit demain ou aujourd'hui. Un instant. Peu importe. Je vais rencontrer.
Waouh, waouh. Ok. C'était pas difficile à trouver. Done waiting. I'm gonna make a name for myself. I don't care who, I don't care what, I don't care what's standing in my way. I don't care who, I don't care what, I don't care what's standing in my way. I am a fighter, fighter. I'm gonna fight through. I am a fighter. I'm gonna fight to do. Fighter, I'm gonna make it through. I don't care what, I don't care who, I don't care who's standing in my way. Don't care what, I don't care who, I don't care whatever you say. I don't care what, I don't care who, I don't care, I don't care. I don't care what, I don't care who, I'm gonna make it through this pain. Don't care what, I don't care who, I don't care what I'm gonna. Ok, super, tu fais du bon boulot. Je reprends. Bon, reprends. Oui, refaites-le encore. Je non, laisse, viens. Oui, rejoindre. Venez. Viens. Je vous retrouve. Venez. Ah, c'est super, ce petit est vraiment talentueux, vraiment. Ouais. Mon gars, c'était super, c'était fantastique, c'était mortel. Vous le pensez vraiment? Je t'assure. C'était vraiment fantastique, Jim. Attendez, attendez, je rêve ou quoi? Vous le pensez vraiment? Ah, j'ai 25 ans dans ce métier et je le pense vraiment. Et je sais. Écoute, t'as encore beaucoup à faire dans cette industrie, mon petit. Mais tu sais quoi, avec le peu que j'ai vu ici et là, et la touche finale du boss ici présent, on aura un succès monstre. Ma tête est sur le point d'exploser. Pas parce que ça vient de toi, pour être honnête, mais parce que ça vient de vous, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes le meilleur en Afrique de l'Ouest. Tu chantes depuis combien de temps? Je chante depuis toujours. Et j'ai maintenant 25 ans. Super, c'est super. Donc maintenant tu veux faire de la musique en plein temps? Oui monsieur, et ce n'est pas juste parce que j'aime la musique, parce que j'aime la musique. Mais beaucoup plus parce que je veux prouver une chose à ma mère. Je veux lui montrer que je possède ce qu'il faut pour être accompli dans ce que j'aime faire et être heureux. Parfois tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste aimer ce que tu fais, faire ce que tu aimes, et le succès viendra. Et avec ce succès, tu pourras prouver ce que tu veux. Je suis content. Et avec un talent comme le tien, tu brilles. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je merci t'en prie. Monsieur. De rien, fils. Allez, on va écouter encore une fois de plus. D'accord, j'y vais. Arrête, je pense que t'appelle. Désolé, c'est pas parti, t'appelle. Allô? Ouais, Kaite, comment tu vas? Très bien, merci. Je suis actuellement au studio et tu ne croiras pas avec qui je suis. Sous le directeur du label en personne. Et tout va bien, tout va pour le mieux. Au fait, tu vas me rendre service. Tu vas arrêter de m'appeler monsieur. D'accord. Écoute-moi, Ikaete, je vais me fâcher de toi. Si tu m'appelles monsieur, je ne prendrai plus tes appels. Je ne te parlerai plus. Très bien, on se parle plus tard. D'accord, bye. Désolé pour ça. C'est Ikaete, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je commence à ressentir quelque chose de bizarre entre ces deux-là. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? C'est une fille gentille. Ok. S'il te plaît, joue encore une fois. Oh, mon petit. Allez, on écoute encore, on écoute ça. D'accord. Hey. Hey. Yeah. Hey. 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 T'es un monstre, mon petit, je te jure. T'assures grave ce son, c'est une tuerie. Non. J'assure, mon petit. Merci beaucoup, boss. Hey. Studio? Attends, celui où Eka était terminé? Exactement. Mec, t'es fou! Tu veux quitter cette grande maison pour aller vivre dans un studio? Mec, ne me tape plus n'importe comment. Parce que t'es un insensé.
Merci. Écoute, aussi déraisonnable que cela puisse paraître, je préfère rester dans un studio où j'ai la paix de l'esprit. Que dans cette maison où chaque jour ma mère cherche de nouveaux sujets de chambaillerie. Je ne peux plus supporter ça, mec. Et qu'a-t-elle fait cette fois? Elle menace de me jeter dehors. C'est pour ça que je préfère prendre mes affaires, Gigi. Avant qu'un jour sans prévenir, je ne vienne trouver qu'elle les a jetées dehors dans la rue. Je ne peux pas, pardon. Jimmy. Écoute, tu peux venir vivre chez moi pour un moment. Bien que ce soit pitié, mais c'est confortable jusqu'à ce que ta mère accepte que tu veux le faire. La musique, le reste de ta misérable vie. Merci, mec, mais... Non, merci. D'accord, je vais me débrouiller. Tu sais, j'ai jamais cru que ça arriverait. Tout comme je n'ai jamais pensé qu'une personne très proche de moi me trahirait. Tu parles de qui? Clara. Oh. Clara. Qui aurait cru qu'elle ferait une chose aussi terrible? Mec, je me sens si utilisé. Comment a-t-elle pu m'utiliser pour satisfaire ses intérêts égoïstes? Mon pote, je l'aimais vraiment, je... Tout l'amour, tous les sentiments, tout est parti en fumée à la seconde où l'argent est entré en jeu. Mon pote, pour 5 millions de Naira, elle a disparu d'un coup. Elle a mis ton amour dans une boîte, l'a balancée et s'est évanouie dans la nature. Tu sais, le cœur de l'homme est foncièrement mauvais. C'est vrai. Elle a donné raison à ma mère. Ma mère avait raison sur le fait qu'elle était une femme finale. Mec, si Ekaïti n'avait pas été là pour me réconforter, je serais mort depuis longtemps. En parlant d'Ekaïti, où est-elle? On dirait qu'elle n'est pas dans cette maison. Ah, ma mère l'a virée, non? Ma mère l'a renvoyée, mais elle a eu de la chance, elle a trouvé un boulot en tant que chauffeur et elle s'en sort bien. Wow. J'ai tourné la page, j'aime ma musique et Ekaïti est toujours là pour me soutenir et tout va pour le mieux. Pourquoi tu parles de cette fille ainsi? J'espère que c'est pas ce que je pense. Elle s'interdit de tomber amoureux 2 fois. Jimmy, t'es tombé amoureux 20 fois. Toi? Regarde-moi le malade. Dégage ici. Quand tomberas-tu amoureux toi? Attends. Toi, Ekaïti? Non. My baby no dollar ya ju come eh omo ya mi kere woro pe they don't know what to do on love, so whatever we do I'm a fool on top. I got the energy, I got the charisma, I be number one boy, I be champion. Oh yeah, money go koshi, it's too late to hold me down. I got far a ballet, make you calm down, very soon I'm go stop shot. I dey give them over dada, so my baby can't your banana. Laisse-moi partir. Je ne peux pas te permettre de partir. Tim, où penses-tu aller comme ça? Je vais dans un endroit où j'aurai la paix. Un endroit où je peux décider de ce que je veux faire de ma vie sans avoir à subir de ta négativité. Tu n'es qu'un gros imbécile. Et si tu n'étais pas mon fils, je t'aurais appelé idiot. Tu m'as déjà traité de tous les noms dans cette maison, maman. Ça ne sera pas une première. Pourquoi es-tu toujours en train de compliquer les choses? Pourquoi? Tu sais, j'ai une question pour toi. Depuis mon enfance, j'ai fait tout ce que tu voulais. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de me soutenir juste cette fois? Parce que cette voie que tu as choisie, c'est la même que ton père a choisie et il a échoué. Je ne suis pas mon père. Tu es son fils. Dès l'instant où tu franchiras cette porte, tu auras beaucoup de souffrances, d'épreuves et de douleurs. Parce que c'est la seule chose que ce monde a à offrir. Écoute. J'ai subi toute la douleur, toutes les épreuves, toutes les souffrances possibles sous ton toit. Ça ira. J'ai absolument tout fait pour toi.
vraiment tout. Et tu penses vraiment que tu peux survivre la déo sans moi? Que vas-tu faire sans ta mère? C'est exactement ce que je veux découvrir. The good and bad and the ugly. I've been the good and bad and the ugly. I'm in the hood, man, I'm mad like I'm hungry. Feeling like I should get a hood and an axe for the rubber. Yeah, I've been in moods that had no recovery. I've been in shoes, really shoes that had no discovery. To their solutions in lands of their solution. I found myself stuck in them later, really. I became an actor, funny for it. But I kept on forging. Resources connect, they're the gut and goals. Grind and gang, I call that forge. Yeah. Madame, y a-t-il un problème? J'ai trouvé ces médicaments dans la chambre de Tim. Vous savez ce que c'est? Faites-moi voir ça. Eh bien, je sais. Vraiment? Oui, je le sais. Depuis combien de temps les prend-il? Honnêtement, depuis un bon moment. S'il vous plaît, docteur. De quoi mon fils souffre-t-il? Oh, eh bien... Madame, je... Désolé, excusez-moi. Allô? Quoi? J'arrive. Je serai là dans un instant. J'arrive. Madame, je suis vraiment désolé. J'ai une urgence. Je dois me dépêcher. Mais... je... S'il vous plaît, dites-moi... Excusez-moi, madame. Kaité, merci beaucoup pour ce délicieux repas. J'espère que tu as aimé. Pas seulement pour le repas. Merci d'être présente dans ma vie. Tu es venue et je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi. Je ne sais pas où j'aurais été sans toi. Jim, je t'ai toujours aimé. J'avais très peur de ta mère. Et Clara est entrée dans ta vie. Puis elle est partie. Et nous voilà. Boss. Peut-être je devrais vous laisser seul. Mais il y a un concert important. Un très grand concert pour la semaine prochaine. Où tu devras rencontrer des grandes personnalités. Comme des ministres... Des sénateurs et des hommes d'affaires. Et je veux que tu les éblouisses. D'accord. Vous voulez que je vienne avec vous?
Non, je veux que tu chantes à ce concert. Non. Oh. Devant les gens de la haute. En l'occurrence, devant des sénateurs. Tu sais, nous sommes au Nigeria. Eh bien, lorsqu'on connaît les bonnes personnes, tout est possible. Je vous connais. Et le meilleur dans tout ça, c'est un deal de 5 millions de naira. Et tu dois le montrer ton talent. Je le ferai, je le ferai. Est-ce que tu m'as compris? Merci. Si tu m'as compris, c'est bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux continuer à l'embrasser. Encore. Mais dès que tu auras terminé, s'il te plaît, viens me voir, c'est important. Très bien, boss. Je vais t'attendre. Très bien, boss. Pas long. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir, Ikaïté. Je suis tellement contente pour toi. Merci, Ikaïté. Laisse-moi te dire, tu es mon porte-bonheur. Et je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas si ça aurait été approprié de le dire. Waouh. Qui m'appelle maintenant? Ok. Je dois partir maintenant. J'ai beaucoup de choses à faire. Je t'appelle plus tard, d'accord? D'accord, mais... D'accord. C'est quel ennemi du progrès, ça? Allô, docteur? Oui, Jim. Ta mère a des doutes sur ton état de santé. Attendez. Le lui avez-vous dit? Non. Elle était dans mon bureau aujourd'hui avec les cachets que je t'avais donnés. Comment aurait-elle pu les avoir? Mes compromis sont... Je te conseille de venir tout de suite à l'hôpital pour que je te fasse un examen complet. Je n'ai pas pris mes médicaments. Ah, oh! Allô, Jim? Est-ce que ça va? Oui. Dis-moi où tu es? Je suis au studio, docteur. Ça fait mal. Oh! Allô, Jim? Voilà 4 jours maintenant que je n'ai pas eu les nouvelles de mon fils. Ton meilleur ami. Je veux l'adresse de ton domicile. Vraiment? Je pensais qu'il venait chez toi. Oh, ça veut dire que tu sais là où il se trouve. Oh, enfin. Docteur, que faites-vous? Que s'est-il passé? Sérieux? Jim, tu t'es évanoui? Je... C'est vrai? Non. C'est une raison suffisante pour toi de me suivre à l'hôpital? Non, docteur. Docteur, je ne vais dans aucun hôpital, d'accord? Je me sens déjà bien, d'accord? Je me sens bien, j'ai un spectacle cette nuit et je ne peux pas le manquer. Donnez-moi juste des calmants ou autre chose. Non, c'est impossible. Écoute, tu as besoin de repos. Énormément de repos. De quel repos me parlez-vous? M'empêchera-t-il de mourir? Non. Cela m'empêchera-t-il de mourir à la fin? Non. C'est ça. Bien, c'est très clair. Je vais de ce pas retourner à l'hôpital. Ouais, d'accord. Mais fais tout pour m'appeler si tu ressens une quelconque douleur, ok? Très bien. À plus tard, man. Prends bien soin de toi, d'accord? Oh. Jackson? Oui, madame. Je participe à un événement et j'aimerais que tu persuades Jim d'abandonner cette stupide musique pour m'y accompagner. Tu sais pourquoi? Beaucoup de personnalités y seront présentes. Et c'est là que des contrats sont signés et des affaires conclues.
Madame, je doute que ce soit possible. Jim a aussi un événement très important et il ne le manquerait pour rien au monde. Dans ce cas, tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer de mes relations et son contrat sera annulé. Ne faites pas cela, madame. Je veux le faire. Ce garçon doit comprendre que je suis sa mère et qu'il ne peut rien faire sans moi. Madame, pour être honnête, je ne sais pas où l'événement aura lieu, mais ce que je sais, c'est que cet événement est très important pour lui. Je m'en chargerai moi-même. D'accord, madame. Jackson? Madame? Étais-tu au courant que Tim prenait des médicaments? Non, madame, je ne le savais pas. Quel genre de compromis? Je n'en ai aucune idée. Mais j'en ai trouvé bon nombre dans sa chambre. Ok. Tu peux y aller. Bien, madame. Madame, je pourrais vous accompagner à l'événement si vous avez besoin que quelqu'un soit là. Merci. Mais non. Tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas mon fils. Oh. Bien. Tu peux me conduire au supermarché. Je dois faire des courses. Ok. Aucun problème, ça, je peux le faire. À tout à l'heure. D'accord, madame, je serai en bas. Ok, Jackson, rappelle-moi. Quand on sera à la caisse, j'ai besoin d'un carton de ceci, ceci et celui-là. D'accord, madame. Rappelle-moi lorsqu'on sera à la caisse. Bonsoir. Bonsoir. Mon micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir, je m'appelle Tim. Et je suis maintenant pour chanter. Mais avant que je ne commence, j'aimerais dire que je ne prends pas pour acquis le fait que vous, distinguées dames et messieurs, êtes là pour m'écouter prester. Ça veut dire beaucoup pour moi. Le fait que je me tienne devant vous pour chanter est mon rêve qui devient réalité. Et j'aimerais dire que peu importe d'où vous venez, musulmans, yoruba, ibor, hausa, chrétien, hijab, j'aimerais dire qu'aussi longtemps que nous prêchons l'amour, tant que nous prêcherons l'unité, nous pouvons réussir. Et nous pouvons triompher. Merci beaucoup. I'm incomplete without you, babe.
Jackson, à l'aide! Je ne peux plus le supporter. La douleur. Mon corps s'affaiblit et je sais que je ne pourrai pas survivre. Oui, tu peux. Et par la grâce de Dieu, tu survivras. J'ai appris que tu as payé. Que tu as payé Clara. Oui, c'est vrai. C'était une idée de Jackson et je l'ai juste suivi. Mais c'était une très mauvaise chose. Vraiment stupide. Je n'ai pas bien réfléchi. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ça. Pardonne-moi, je t'en prie. Je serais mort depuis longtemps. Je serais mort de dépression. Merci à Dieu d'avoir amené Kaïté dans ma vie. Merci, ma fille. Merci. Pas de quoi, maman. Je t'aime, fils. Je t'aime tellement. C'est vrai. Jim, je suis enceinte. Tu es? Oui, maman. Ah, Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'en prie, ma chère. Garde mon bébé. Et prends soin de lui. D'accord. D'accord. Je le ferai. Maman. Oui, mon fils. S'il te plaît. S'il te plaît, promets-moi que tu prendras soin d'Ekaïté. Oh oui, je le ferai. Je prendrai bien soin d'elle. Et de toi aussi, chérie. Tu seras là. Ok? Je t'aime. Tellement. S'il te plaît. Oui. Donne l'argent à une fondation. D'accord. Doucement. Désolé, doucement, chérie. Désolé. Ne dépense rien de cela. Promets. Je te promets. N'oublie jamais que je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, Tim. Désolé, chérie. Désolé, chérie. Désolé. Je ne peux plus le supporter. Désolé. Au moins, je sais maintenant que je peux me reposer sachant que j'ai accompli ma destinée. Non, non, non. Non, non, Tim, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Poussez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et faites quelque chose, docteur. Docteur, docteur. Tim, Tim, Tim. Tim. Docteur. Laissez-moi, laissez-moi. Tim. Félix, que se passe-t-il encore, merci, non? Je t'ai trouvé. Je t'ai dit que je chanterai ce soir et rien ne m'empêchera de le écoute, faire, je te l'ai dit. Toi. Écoute-moi. Ne peux-tu pas me laisser mourir en paix? Est-ce que tu peux m'écouter? Écoute, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. Parle juste. Ok, je t'écoute. Sache que ce fut une erreur de ma part. Quand je suis retourné à l'hôpital, on m'a informé que ton diagnostic était faux. Oui, tu n'es pas mourant. Mais écoute, tu souffres d'hypertension. Cela peut entraîner un arrêt cardiaque, si tu ne fais pas attention. Je ne meurs pas. Là n'est pas la question. Écoute. Tu dois te reposer. Non! Une dernière chose. Je suis toujours vivant. Quoi?
Mais vous êtes vraiment trop mignonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Restez en famille. Ouf! T'es vraiment un sacré acteur. Je vous aime tellement. Je t'aime. See me on top, very soon see me on top. Oh, then it turn up. As bad do they bang it at the monte. I ain't walk on. My baby no dollar ya you come. Oh, yummy kid, one, okay. You already know what it you want love. So whatever we do, I'm a fool on top. I got the energy, I got the charisma. Be number one boy, I be champion. Oh, yeah. Money go koshi, it's too late to hold me down. I got far a ballet, make you calm down. Very soon, I'm go top shot. I dey give them over da. So my baby, can't your banana. And we been there, we done that. We dey give them steady in abundance. We mash up the place every day like a soldier. Make a run down while like Ojorara. Shout out to our two girls, shout out to our one girls and my three brothers. All duty lake, oh, and general when you look at ya. Yeah. Hey, oh, name Siana, it's Parker Seals, Leonis Baba, Benny Black on the visuals, I see it too. Jack, come on, yeah.